Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Perassian, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 97 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part les amis, je vais très bien, on se rapproche dangereusement de l'épisode 100, hein, donc soyez très à l'affût parce que l'épisode 100 du coup sera les specifications, donc ça sera tout ce que je vous montrerai tout ce que j'ai dans le jeu, tout simplement. Tout ce que j'ai dans le jeu, passant dans le mode légende, comme dans le mode aventure et tout ça. Donc voilà, restez à l'affût pour l'épisode 100 qui du coup sera uniquement sur les specifications. Il n'y aura pas de carte aventure. Je préfère vous avertir, il n'y aura pas de case dans la carte aventure. Donc voilà, c'est pour vous avertir. Donc du coup, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait continué la carte aventure à explorer, en tout cas la toute première carte aventure, dans laquelle on avait récupéré la dernière Sculptulador dans cette case-là, avec Jiraiin, tout simplement. Donc on avait récupéré du coup l'intégralité des collectibles, presque en tout cas, parce qu'il nous manquait un réceptacle de cœur, avec un personnage que nous avons encore pas débloqué. Je sais, ça fait chier, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je vous avais dit que c'est ici qu'il faudra se rendre pour la prochaine fois, et ben, aussitôt dit, aussitôt fait, on va se rendre du coup ici. Il y a un réceptacle de cœur avec Lana et une victoire standard tout simplement classique. Donc on va y aller, on va y aller, on va y aller. Donc du coup, bah, écoutez, alors c'est dans la gorge de l'Anel. Donc c'est un quiz sur les armes, on s'en souvient. Et on va du coup prendre, alors vu qu'il n'y a aucun élément efficace, je pense que vous vous en doutez, on va quand même, on va prendre le fameux grimoire qui pète sa race. Donc du coup voilà, on va prendre Maria. Ok. Oh bah tiens, la carte des morts d'occulte. Ah là là. Dites-vous que quand on y sera bientôt, hein, sur ces fameuses cartes. C'est ces cartes qui vont prendre beaucoup de temps aussi. Faudra revenir plusieurs fois et tout, hein. Surtout Termina, vous imaginez pas à quel point Termina va nous prendre du temps. Et du coup, nous voici dans le champ de bataille. Donc vu que c'est un quiz sur les armes, donc du coup, il faudra. Donc puisqu'on prend trois problèmes, éliminer. Alors je sais pas où. Ah d'accord, c'est ici qu'il faudra se rendre. Donc, avancer sur le fort à destination. Premier problème. Éliminer. Alors, attendez. Éliminer l'adversaire qui. Quoi? Éliminer l'adversaire qui lance des lames. Éliminer l'adversaire qui lance des lames. Qui lance des lames, donc lui. C'est une lame, hein, on est bien d'accord, hein. Ah merde, non. Non mais non. Il lance des lames, c'est lui qui lance des lames. Je fais des conneries depuis tout à l'heure. Et on a éliminé le bon ennemi. Bon bah ça c'est fait. Ça c'est fait. Bon, toujours une arme, toujours. Oh là là, c'est chiant. Et du coup, on avance pour le prochain. Bon c'est bien, on a éliminé le bon ennemi déjà. Alors ici, oui, qui lance une lame, c'est dans Twilight Princess, il faut se souvenir. Alors, c'est quoi la prochaine mission? C'est éliminer l'adversaire qui se sert d'une hache. D'une hache. Quoi? D'une hache? Oui, c'est un casse-pierre, ça. Donc ça serait ça. Attention. On est bien d'accord, hein. C'est pas une hache, ça. Hein. C'est le maître Stalfos qui a un truc. Normalement. Est-ce que c'est ça? On a éliminé le bon ennemi. Bon, bah ça c'est fait. C'est fait, c'est fait. Oh, c'est où? Ah! Ah oui! Ah oui, c'est violent quand même, on doit se rendre. C'est loin. Bon, bah on est dans la gorge de l'Anel, écoutez en plus. J'aime beaucoup cette zone. Ok, on va faire un petit peu attention, sachant qu'en plus, persévérance. Bon, ok, oui, c'est normal. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Troisième problème. Alors, on doit éliminer l'adversaire qui lance des javelots. Alors ça, normalement, c'est un boblin. Ouais, il est là. Par contre, toi, du coup, t'es mort. Oui, slash. Oh là, attention. Ben voilà. Normalement, c'est bon. Oh, par contre, oh putain, on a plus que des armes. Oh, c'est relou. Putain. Et du coup, normalement, on a tout fait. Ben voilà. 3 sur 3. Et du coup, on a le rang A. Et normalement, on obtient du coup le
réceptacle de cœur, je crois. Ou le fragment. Non, c'est un réceptacle de cœur, on est bien d'accord, hein. Je crois que c'est un réceptacle de cœur. Bon, en tout cas, on va voir, hein. On le verra. Avec l'Anna. Bien sûr. Et c'est un réceptacle de cœur. Bien, vous avez obtenu un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale est augmentée d'un cœur. Bon, ben voilà. Bon, bah c'était pas non plus très difficile. Hein. Ça a duré 5 minutes, comme d'habitude. C'était pas non plus très difficile. Hein. Mon dieu, il y avait pire comme map. Il y avait bien pire. Bon, c'est pas très difficile. Hein. Et voilà. Putain, Ziga Zubi Zero, c'est normal. Ok, résultat global, carte d'objet. Alors, 3 armes. Grimoire de 150 de dégâts, attaque spéciale plus, attaque forte 2 et slot vide. Anneau maudit 88 de dégâts, matériaux rares plus. Et épée des démons 80 de dégâts, attaque forte 5. Bien. On débloque. Vous pouvez maintenant voir Midona dans la galerie des personnages. Ok. Vous avez obtenu une carte d'objet boussole. Donc on, du coup, on a débloqué un prochain accès dans lequel du coup il faut qu'on se rende ici. Alors ici ça peut être des arbres comme ça peut être des bombes. Il faudra se méfier ici. Donc du coup oui, comme je vous ai dit, la prochaine fois les amis, en tout cas on a obtenu une carte d'objet. On a débloqué du coup cette zone là. Donc guerrier de feu demandé. Donc il y a des choses. Guerrier de feu demandé. D'accord, donc en fait, il y aura un truc à faire avec Linkle, il y a un trésor, en tout cas un habit de fée, à récupérer, et du coup, voilà, donc, écoutez, donc, alors, ouais, vu qu'on a débloqué une boussole plus une flamme, qu'est-ce qu'il faudra faire? Exploration requise, donc là on l'a vu, c'est le rocher, pour ça, il faudra les hydrobombes, il faudra ça, en fait. Pour exploser ce fameux rocher. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre exploration requise, mais avec des arbres? Non, là, j'imagine que c'est que avec des bombes. Ou un bracelet de force. En fait, je sais pas si ça peut exploser ça. Je sais pas. Où on est sûr d'y aller? Bah, ici. Bah, du coup, les amis, je pense que la prochaine fois, on se rendra ici. Hein, je pense qu'à mon avis, comme ça au moins on débloquera du coup toute cette zone. Putain, on débloquera toute cette zone. Comme ça au moins on est tranquille. Parce que du coup ici, oui, il y a éliminer les monstres géants, mais j'ai pas envie de le faire pour le moment. Ouais, donc du coup la prochaine fois... Ah oui, ici il y a quoi, exploration requise? Ah oui, ici c'est soit les armes, ou soit c'est le truc bizarre au sang à gauche. Donc en fait il me faut soit... Ah, et ça il faudrait que je voie un petit peu. Au niveau des cartes d'objets, on peut voir que... Ok. 10 000, 10 000, 5 000, putain, 5 000, oh, ça coûte cher. J'aimerais bien honnêtement, hein, j'aimerais bien m'en acheter plein, mais... le problème c'est que voilà. Voilà, quoi. Bon. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 97 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. La prochaine fois, bah écoutez, il faut choisir. On ira là, voilà, on explorera en même temps la zone. Du coup, il y a une récompense avec Jake. Bon, on va voir du coup ce que c'est pour la prochaine fois. Il y a également de la nourriture à avoir, donc c'est un champignon. Et un fragment de cœur qui est pour le moment pas récupérable parce que c'est avec un personnage précis qu'on va pouvoir le récupérer. Et du coup, ben, on fera ça la prochaine fois dans l'antre du dragon. Donc, en plus, dans l'antre du dragon, du coup, on voit qu'il y a des Lesaphos plus Volga un petit peu plus haut. Et on a avec nous des gardiens d'Hyrule, Zelda, Lana et Link. Bon, enfin, voilà. C'est déjà bien, quoi. C'est déjà bien. C'est bien ouvert, en tout cas, en termes de trucs à faire. Non, du coup, ben voilà. Ben, écoutez, les amis, merci de m'avoir suivi. On se dit à la prochaine pour l'épisode... Numéro 98, putain, waouh, 98 de notre aventure sur Hyrule Warriors Definitive Edition. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace.